Hey, salut tout le monde, bon midi. Je pouvais pas venir vous montrer le sucre à la crème que j'ai fait hier. Il est vraiment parfait. Il est parfait. Fait que j'ai fait au moins quoi. Comme c'était mon premier, j'ai dit je vais aller le couper pour leur montrer là. Ah, comment qu'il est bon, il est bon, il est bon. Gardez bien ça. Premièrement, je l'ai mis dans le silicone. Merci à tous les gens qui m'ont donné des conseils. Et regardez, premièrement, ça s'est démoulé là, hyper facilement comme ça. Bon, là, moi, je l'ai tripoté. Je l'ai pris. Je voyais. Tu sais, comme quand tu déterres un grain que tu as mis puis que tu fais la plante est-tu poussée. Bon, j'ai fait la même affaire. Fait que j'ai comme tout. Mais c'est pas grave. De l'autre côté, il est. Regardez ça, il serait supposé être comme ça. Et là, j'ai capoté, OK? Parce que regardez, premièrement, ça s'est démoulé, là, un charme. Je capotais, j'ai comme fait, ben voyons donc. Je l'ai fait hier soir, je l'ai mis au frigidaire. J'ai reviré ma feuille en silicone, pow, ça tombe à terre, j'ai fait, oh mon Dieu. Et regardez. OK? Regardez le sucre à crème, je vous le dis, j'en revenais même pas comment que c'était beau, comment qu'il était parfait. J'ai dit, François, tu veux-tu un morceau? T'es pas bien loin pour venir en chercher. Fait que là, j'ai fait, oh my God, tu sais, the perfect, hein, j'ai fait, oh vraiment. Et là, hier, il faut que je refasse une batch parce que j'ai oublié de mettre du coureur des bois dedans. J'ai fait, oh mon Dieu, grâce à Sylvie, hein, qui m'a fait penser de mettre ça. Fait que, tu sais, des fois, on cherche des recettes à donner en cadeau de Noël. Si vous voulez la recette, elle est sur le groupe juste au-dessus. Et hyper, hyper, hyper facile à faire. Regardez ça. J'en reviens même pas comment que la texture, elle est parfaite. J'avais jamais fait ça de ma vie. Alors, est-ce que vous autres, là, c'est une petite bête noire, le sucre à crème, là, puis tu fais tabarnouche que j'ai de la misère à faire le sucre à crème, ben s'il vous plaît, essayez cette recette-là. Elle est extraordinaire. Pas bon pour mon diabète. Ah non, ça c'est clair. Et la quantité de sucre qu'il y a là-dedans, mes amis, vous faites une crise drette là, c'est clair. Parce que il y a tellement de sucre là-dedans. Mais moi, je fais des petits carreaux, Francine, par exemple. Parce que je suis pas une grosse bébite à sucre, mais j'avoue que le sucre à la crème, ça a un petit quelque chose. OK? Et regardez ça, je vous dis, je capotais. Quatre ingrédients que je l'ai ici. Et il y avait de la cassonade, de Legal Brand, du beurre et du sucre à glacer. OK? Et je l'ai faite là-dedans. Posez-moi pas la question, je peux-tu le faire dans d'autres choses? Je le sais pas. OK? J'avais même ma femme d'entretien ménager ce matin, hein, ma belle France qui était ici ce matin, puis elle m'a dit, t'as fait du sucre à crème? As-tu collé? Quand j'en ai fait vendredi, je l'ai manqué. OK? Les petites miettes, hein? Vraiment, là, je vous dis 10 sur 10, 11 sur 10. 11 sur 10, mon sucre à crème. Et là, c'est clair que là, moi, c'est des cadeaux de Noël que je vais mettre dans des belles tasses à café pour les profs. C'est vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Mon chum, il a goûté d'ailleurs ce matin, puis il a fait hein? Vraiment, il est impeccable, hein? Il est impeccable. Oh J'ai oui. jamais fait un bol. François, C'est il est même sûrement. trop bon, là, tu sais. Faut François pas que tu vient. laisses traîner sur le comptoir, là. C'est ça. François vient, il se lève, je dis viens t'en chercher un morceau. Fait que si vous voulez les recettes, et d'ailleurs, il me reste vraiment pas beaucoup de livres de recettes, si vous en voulez, mes amis, il est vraiment fantastique. Si vous voulez la recette, rejoignez le groupe. Elle est gratuite, elle est pour vous. Et si vous avez le super pot, là, peut-être, dites-tu lequel, ça? Bon, ça se peut que tu l'aies en beige, ça se peut que tu l'aies en rouge, ça se peut que tu l'aies écoute, ils ont tellement sorti de couleurs, en mauve, mais c'était une pure merveille de le faire à l'intérieur de ça, je vous le dis. Fait que je me suis dit qu'il fallait absolument que je vienne vous le montrer avant qu'il n'y en ait plus. Et je vais renseigner la recette. Si vous essayez la recette avec du coureur des bras, du Tia Maria, une version plus adulte, j'ai demandé à Gagne, hein, Sylvie, je pense que c'est toi qui me l'as dit. Vous le rajoutez avec le sucre à la crème quand vous êtes en train de mettre, pas le, voyons, le sucre à la crème, le sucre à glacer. Quand vous rajoutez le sucre à glacer, c'est le moment pour mettre le Tia Maria, OK, à la fin, ou du coureur des bois, ou allez-y avec quelque chose de québécois comme glacin de crème, justement du coureur des bois, tu sais, c'est des produits d'ici. Hein, je pense que c'est bien important. Et hey, toi, Joanne, tu dois être sacoche sur les sucres à crème. Regarde ça comment il est parfait le mien. Ah, je
capote. Je vous le dis, je vous le dis. Vive le silicone en plus, on met ça là-dedans, c'est vraiment... je peux-tu faire venir ton lèvre? Mais ben, probablement que tu veux ton livre. La réponse est oui, Joanne. Écris-moi, s'il te plaît, en PV. Alors, qui va se bourrer la face dans le sucre à la crème? Moi. Bonne journée tout le monde. On se voit ce soir pour l'organisation du modulaire. Bye bye tout le monde. Je m'en vais dîner.